Je m'appelle Romane Pélène, j'ai 25 ans et je suis journaliste indépendante de presse écrite. Et aujourd'hui, j'interviens de nouveau par l'intermédiaire de la Chance pour la diversité pour animer des ateliers d'éducation aux médias. Donc la Chance pour la diversité, c'est une association qui promeut la diversité sous toutes ses formes, donc qu'elle soit ethnique, géographique, sociale, dans les médias. À titre personnel, j'ai eu l'opportunité de bénéficier de la prépa La Chance. Donc, c'est une préparation à destination des boursiers et qui permet en fait à des jeunes issus de milieux sociaux différents d'intégrer des écoles de journalisme ou du moins en tout cas de tenter leur chance pour intégrer ces écoles. On est dans un monde où l'information circule très très vite et il n'y a pas que des bonnes informations. Donc c'est un moyen de donner des outils. Et je pense aussi et surtout que c'est un moyen de renouer du dialogue. Il y a des personnes par exemple qui sont peu représentées ou mal représentées par les médias et c'est l'occasion de leur donner un espace ou de leur donner des outils pour qu'ils puissent s'exprimer. Je pense qu'à l'heure actuelle, les rédactions sont peu représentatives de la société dans son ensemble. Et ça pose problème parce que pour que l'information soit de qualité et représentative aussi de la réalité, il faut une multitude de voix. Moi, je leur dirais de foncer, de pas hésiter, de pas se poser trop de questions parce que je pense que on se met des barrières souvent nous-mêmes. On s'auto-censure, ce qui est un peu un comble quand on veut devenir journaliste.